Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais faire ma couronne pour la porte. Alors ça, la couronne en elle-même en paille, je l'ai achetée à Action. J'ai payé ça, je ne sais plus, 1 € ou 1,50 €. Là, c'est une guirlande, une vieille guirlande que j'ai, que je me sers pour décorer la maison, que j'ai récupérée. J'en ai récupéré deux parce que je pense que j'en aurais pas assez avec une. Donc l'autre, là, il y a des petits nœuds. Et l'autre, elle est comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer de les entrelacer sans les serrer. Et je vais mettre un peu de colle de temps en temps. Juste pour que ça tienne bien. Voilà. Et je vais continuer. Je sais pas si vous allez bien y voir là du coup parce que non, on enroule jusque là, rien de compliqué. J'essaye de mettre les nœuds comme il faut. Là, je vais rajouter un point de colle. Et je continue. Là. En fait, sur les nœuds, je rajoute un point de colle derrière. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça. J'attends un peu. Et donc là, alors, ou j'ai la solution de mettre du ruban autour, ou je mets l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je vais déjà passer un peu de ruban. Je vais le chercher. Donc en fait je vais passer le ruban pour l'accrocher maintenant, comme ça après je pourrai le cacher bien comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller du ruban. Ouais, je vais coller le ruban comme ça. Donc je vais le passer, le coller derrière en fait. Donc je retourne parce que le plat c'est le derrière. Et donc là je vais coller le ruban. Alors, il y a plusieurs écoles. Je pourrais faire un nœud. Je pourrais faire plein de trucs. Ce qu'on veut, en fait. Moi, comme je ne sais pas comment elle va être, en fait, le nœud, je le mettrai à la fin, au pire. Donc là, je vais faire que le coller. On va mettre quand même pas mal. Hein. Ouais, comme ça. Donc, je vais couper. Ouais, j'ai choisi le doré parce que je sais pas comment elle va être au final. Et que du coup, le doré, ça va avec tout. Je sais qu'elle sera dans les verts, rouges et tout ça. Voilà, et là, j'appuie bien. Je me crame aussi au passage, mais bon, comme d'hab. Voilà. Et donc là, je vais passer au... à l'autre guirlande. Hop. Je vais le laisser comme ça. Je vais partir de là d'ailleurs. En fait, je vais partir de là. De là. Allez hop. Non, je vais coller. J'appuie. Et donc là, alors pareil, je fais attention
Oh, comment ça s'appelle? Oh. Ah, oh, fruits là, fait un truc doré là, au bout doré. Hop. Là. Là. Je vais le placer comme il faut. Je sais pas si vous voyez, mais. Là, il y a le 2. Donc, j'essaye quand même qu'on le garde à y être, puisque c'est quand même le but. Donc là, je vois qu'il y a les boules, donc je le tourne de faire en sorte qu'on le voie. Et je continue. Là, pareil, il y a le 2. Hop. La boule. Mais elle est juste. Là, ça passe là. Et oui, je vais pas sortir. Et celle-là, hop. 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 Vous voyez, là, je cache le ruban. Comme je ne sais pas comment ça va être après à la sortie. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à coller encore. Il y en a qui le font avec du fil de fer. Alors j'en ai pas. Donc, et comme j'en ai marre d'attendre de pouvoir faire ma couronne, ça fait un moment que j'attends quand même. Donc j'ai dit, bon, la bite, je vais la faire cet après-midi. Voilà. Donc voilà. Alors après là bien sûr il y a des trous du coup puisque j'ai pas pu bien les, mais ça c'est pas grave puisque on va le, je vais le cacher parce que j'ai plein de trucs à mettre. Donc, déjà, j'ai plein de trucs comme ça, vous savez le sachet pour ceux qui me suivent, le sachet là de, je sais pas comment ça s'appelle, pour faire les décos, voilà. Et j'ai pris de la mousse aussi, je vais mettre un peu de mousse aussi. Pareil, j'avais acheté ça à Action, j'avais dû le payer, je sais plus, la misère quoi. Bon, par contre, j'ai jamais touché de mousse, donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais venir recouvrir là, avec de la mousse. En même temps, donc je pareil avec la colle, je viens coller bien sûr. Je fais attention de ne pas coller le nœud. Oula, super. Comment en mettre partout? Demandez à Joël. Donc voilà, on en met un peu là où on a envie, où il y a des trous. Bien sûr, je retourne pour voir où je vais coller le reste. C'est très bizarre cette mousse en fait. Je sais pas si c'est vrai, si c'est de la vraie ou pas. Mais bien sûr, je me colle les doigts. Ça fait très bizarre, ouais. Et ça sent en plus, et je pense que c'est du vrai. Hein. Ça sent bien en tout cas. Hop. Donc là, je vais en mettre un petit peu là, parce que je vois qu'il y a des trous. Mais après je vais en glisser un petit peu par-ci par-là, voilà, comme ça vient, en écartant un peu du coup. J'aurais peut-être dû prendre quelque chose, hein.
pas le... On y va encore. Bien sûr, il faut le bâtonner. C'est dur là. Et on colle. Alors, je colle tout en essayant de repasser quand même le sapin par-dessus. Et je vais en mettre un peu par-ci par-là. Là, je vais en mettre en bas. Alors après, voilà, c'est comme on le sent. Je suis désolée, vous n'allez pas pouvoir tout voir, mais... Ça fait un mélange de sapin et de mousse. Moi j'aime bien. Mais bon. Après vous n'êtes pas obligé. Donc j'écarte un peu et je continue. Donc je vais couper là, je vais continuer un petit peu, puis je vous retrouve après. Donc voilà, alors je sais pas si vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. Là, j'ai mis un peu de mousse qui venait de ce sachet là. Voilà. Là, je vais vouloir commencer à mettre les pommes de pain. Donc voilà, qu'il y avait dans le sachet. Alors, je vais les mettre à l'endroit, donc elle sera comme ça. Je vais en mettre là déjà pour commencer. Alors, je sais qu'il y en a qui le font au fil de fer pour les ornements aussi. Après, je ne sais pas ce qui vaut mieux. Moi, là, je le fais comme je le sens, donc j'ai jamais fait. Après, chacun fait avec ce qu'il a, hein, de toute façon. Je ne sais pas si ça va tenir. Je vais en mettre une autre de l'autre côté. Et une autre là. Celle-là, je vais essayer de la mettre droite. Ben, on va essayer. Je ne sais pas si elle va tenir. Une autre sur le côté. Je vais la mettre presque droite aussi parce que c'est là où j'ai le mieux, le plus d'appui pour la colle. Mais oh, il est dur mon pistolet, qu'est-ce qu'il a? Il en a marre de marcher, il marche trop ces derniers jours. Et donc je vais la mettre là. Hop. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, je vais mettre des bouts de bois comme ça. Donc, bah, pareil, par-ci, par-là. J'avais plein d'autres trucs à mettre. Ah oui, j'ai des écorces aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai eu. Donc ben là, à être demain, je vais mettre un peu des coquilles. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, les... Donc je vais en mettre par-ci par-là, à moins que je mette ça. Non, ça c'est trop. Donc ben, pareil, on y va. J'appuie.
Et j'en mets un peu partout, comme ça vient, comme je le sens en fait. Là, je vais mettre une droite ici. Je vais mettre aussi de ça là, des coquilles, je sais pas trop de quoi c'est, mais... donc pareil. Après on va y mettre du rouge hein, quand même, on va pas faire ça que comme ça hein. On va pas s'arrêter là quand même, il faut qu'il y ait quand même du rouge, c'est quand même Noël. Ça, du coup ouais, ça je vais le mettre là. Yo, mais il est vachement dur. Voilà, hop, je fais attention au nœud et je colle. Je vous montre pour le moment ce que ça donne en bas. Voilà. Je vais y mettre les petites boules aussi que j'avais. Donc, je sais pas trop comment les mettre en fait. Parce que celle-là, j'aurais pu essayer de les piquer. Ouais, mais après, si on se pique. Non, bah, je vais les couper, je vais les coller comme je fais d'habitude. On va pas chercher. Hein. Hop. Ouais, ça va bien. Un bâton de colle. Je les ai mis où? Je les avais sortis tout à l'heure. Ah oui, ils sont là. Des petites étoiles aussi que j'avais acheté ben aussi pareil en même temps là, Action, je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Et ça, je vais la mettre là. Oups. Là. Un petit cœur rouge. Ouais, après, c'est vraiment. Je vais y mettre des petites boules aussi. J'ai des boules. Et donc, je vais chercher mes boules et puis je vous retrouve après. Donc alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire en gros la couronne entière. Et après, je rajouterai les petits détails pour équilibrer quand même. Parce que bon, après, si j'ai pas assez de... Donc ça, c'est l'épine de pin qui sont dans le... Vous savez, le mélange de pot pourri là, que j'avais acheté... Maison du Monde, qui est à 5,50, mais qu'il y avait 30%, je vous en ai parlé. Et qu'en fait, il y avait plus que ça, puisque je les ai payés que 1,90€. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc, je vais coller la pile de peine, là. En haut. Je vais essayer d'équilibrer à peu près, parce que...
cool. Je vais en mettre une autre. Je vais ouvrir celui-là, alors tant pis. Oui, je le vide dans une assiette parce que comme il y a de la neige avec. Et alors c'est bien parce que du coup c'est pas les mêmes en plus. Et ça, celle-là, je vais la mettre. Je vais la mettre là. Je passe ressortir mon ruban pour me montrer le haut. Ouais, on va la mettre là. Donc. Voilà, je voulais mettre un petit bout de bois aussi. Ça, c'est ce qui se fermait le paquet. Parce que l'autre, il est un peu grand quand même. Ouais, l'autre, il est immense quand même. Quoique, en le cachant après. Attendez, là, je viens de voir que c'était pas assez serré, donc je vais le coller derrière. Ouais, je vais le couler quand même. En fait, il est grand, mais justement, il va me servir de support pour mettre d'autres décors dessus. En fait, ça fera pas si grand, ça se verra pas. Donc, on y va. Donc, pour le moment, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez bien. Et ben donc on va continuer. Voilà, le plus gros c'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à voir ce que je mets comme déco, tout ça. J'aurais bien mis ces boules là aussi. Mais... Excusez-moi, elle est pleine de neige, hein, comme vous pouvez voir. Donc je la secoue un peu. J'aurais bien mis ces boules là. Ici là. Il serait sympa. Ouais, je vais la coller là à côté de la pompine de pain. Voilà. Et on y va. Donc après, bon, celle-là elle est beaucoup trop grosse. J'ai des trucs verts aussi, des coquilles peintes en vert, je sais pas trop. J'en ai collé une en bas. J'appuie. On va mettre une petite boule rouge mat. Entre la pine de pain et la boule, je sais pas comment on appelle ça. Là. Je vais en mettre une dorée ici. Ici. Non, ici là, au milieu là. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas trop de place et que du coup, j'ai pas une vue d'ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il vaut mieux le faire sur une grande table, quoi. Mais bon, si je fais ça à la maison, mon mari il va péter les plombs. Donc j'avais ça aussi dedans, dans le pot de riz, donc du coup, je vais le mettre.
pareil. Un peu partout. Ça me plaît bien comme ça. Ça fera comment? Oui, parce que du coup, moi, je la vois pas droite. Ouais, je vais coller les bâtons de cannelle. Bien sûr, après, à la fin, je pense que je mettrai quand même de la neige. Qu'est-ce que je vais y mettre? Ah, c'est sympa aussi. Elle est sympa celle-là, mais... Ah, attendez. Voyons si de l'autre côté je peux le faire aussi. Ouais. J'ai d'autres bâtons de cannelle là. Donc je pense que je vais les mettre aussi. Alors comment j'avais mis ça, comme ça. Ouais. Donc je colle. Excusez-moi, mais j'ai de la colle partout. Hop. Donc, je vais mettre des petits trucs comme ça aussi, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un peu par-ci, par-là. Là, c'est vraiment au pif en fait. Comme on le sent. Après, on va mettre ça là. Ça, j'aime bien. Je vais essayer de le mettre droit. Donc, du coup, je le colle vers le haut. Ah, c'est dommage, elles sont cassées ces fleurs. Quand rien m'empêche de mettre des pétales par-ci par-là. Hop. Ah. Qu'est-ce que je pourrais y mettre encore? Ça, je pourrais le mettre par là. Ouais. Ça. Un petit bout de rouge, on peut pas la mettre par là. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça fait du bruit. Hop. Il va me falloir un autre bâton. Parce qu'il reste encore du bâton, mais il marche pas bien. Donc je vous montre déjà ce que ça donne. Voilà. Et donc je vais continuer un petit peu par-ci par-là. Là. Là, il manque un peu de boulot quand même, je trouve. Je
Tu vas en coller une sur le bâton de cannelle, à cheval, sur le bâton de cannelle et le sapin. Là. Ça, j'avais dit que je le mettrais après, peut-être. Ça ne me plaît pas. Et j'ai les cœurs en liège aussi. Les petits cœurs. Pour mettre par-ci, par-là. Ouais, je vais en mettre un là, entre le rond en bois. Là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Ça. Comment je peux mettre ça? À mettre comme ci. Hop. Si vous voyez. Ensuite, je vais mettre un petit cœur rouge ici, là. Parce qu'il faut décorer l'intérieur aussi un peu. Et comme je trouve que ben, ça manque de couleur rouge, donc on va mettre un cœur rouge juste entre les deux pines de pain et le derrière la boule, en fait. Voilà. Ça. Pourquoi je m'éclate trop? Ça, je vais le coller comme ça parce que ça épouse bien la forme, je trouve. Et donc, du coup. Et oui, non, ça va pas ça. Hop, je l'enlève parce que ça ne va pas en fait, parce que du coup c'est comme ça, ouais, qu'il le faut. Je me suis trompée de sens. Parce qu'en fait je veux que ça prenne sur le côté, forcément. Là, on pourrait faire un petit truc sympa sur le bois. Avec une petite épine de pin et tout, là. Ça pourrait être sympa. Ouais. Alors, attendez, je regarde le sens. Je vais mettre comme ça. Ensuite, on va mettre ma petite fleur là que j'aime bien. Je sais pas, enfin, c'est une coquille. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, c'est joli. On va mettre des petites boules rouges aussi. Là, je profite parce qu'elle est pas sèche, la colle encore. Donc du coup, je peux le glisser. On va mettre ça aussi. Hop. On va continuer. On va mettre un peu plus. Je vais la mettre là, au fond. Ça cachera un peu.
Voilà. Je vous montre. Je vais faire ça. Je vais y glisser un cœur en travers aussi. Voilà. Là-dessus, sur le truc que j'ai fait partir là, ça va pas aller la boue. Ah si. Je vais y mettre une petite goutte d'eau rouge. Je vais vous montrer après. Là. Vous voyez, j'ai fait partir le truc vers le bas, vers l'extérieur. Et du coup, là, je vais nous coller la boule rouge. C'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Après, ça, ouais, je vais coller ça là. Alors surtout, le truc c'est qu'il faut faire attention que ça, de laisser plat le derrière de la couronne. Enfin, je pense, parce que sinon, elle va bouger dans tous les sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien ces cœurs. En fait, je crois que j'aime tout là. C'est des trucs naturels comme ça. J'adore. Donc voilà à peu près ce que ça donne pour le moment. Voilà. Et donc là ben, je regarde un peu qu'est-ce que là il faut que je fasse le haut. Donc le haut, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre ça déjà sur la mousse. Je pense que c'est le haut. Donc ça. Ah ben voilà. En fait, je vais essayer de reconstituer une fleur blanche. Parce qu'elles sont toutes cassées dedans. Donc du coup, j'en ai pas des entières. Et j'adore ces fleurs blanches. Vous voyez, elles sont pointues normalement. Comme du coup elles sont pas entières, j'ai essayé d'en reconstituer une à peu près. Ça va pas tenir ça, je pensais. Je pense que là je rêve en fait. Mais bon, on verra bien. Même si elle n'est pas parfaite. Hein. Je vais mettre des bouts dorés. Alors, donc elle est dans ce sens. Je vais mettre une boule rouge sur le côté. Moi j'aime bien laisser le bout. Voilà. Là, on a un peu de trucs. On a des boules rouges. Voilà.
pas où la mettre. Mais là, ça va pas se voir. Je vais la mettre là. Là, je vais mettre un cœur rouge sur le côté. Dans la coquille verte, en fait. Oups. Donc voilà, alors voilà ma couronne. Je vais essayer de la montrer droite. Voilà. Maintenant, je vais juste avec de la colle mettre de la neige dessus. Alors, on m'a donné une bonne astuce, je ne sais plus qui c'est, excusez-moi, j'ai tellement eu de commentaires que je ne me souviens plus de son prénom, je dirais une bêtise. Elle m'a dit qu'on pouvait le faire avec de la laque aussi. Bon, moi, il se trouve que j'en ai pas, mais c'est bon à savoir quoi. De la laque, et donc la neige, elle tient avec la laque et les paillettes aussi. Donc, ça peut être pas mal aussi. Bon, moi je n'en ai pas, c'est vrai qu'il n'y a que mon fils qui a du gel. Donc voilà, mais je vais attraper ce qu'il faut, puis on se retrouve après. Donc alors voilà, je vais finir ma couronne. Donc vous voyez, j'ai mis un peu de colle. J'ai fait tomber de la neige, je vais laisser sécher. J'ai rajouté quelques petites paillettes blanches, là, transparentes. Voilà. Et ben, je vais continuer, puis on se retrouve après. Donc alors voilà, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis de la neige. Bon là bien sûr il y en a beaucoup beaucoup, faut que je la souffle dehors, ça va sécher là. J'ai laissé sécher et puis voilà. Là du coup je vais pas mettre où je mettrai un gros nœud en haut, je sais pas, je vais voir. Mais je vais pas mettre de nœud qui tombe parce que j'aime bien comme ça en fait. J'ai pas envie de la toucher, donc je vais voir ça. Donc voilà, alors je vais vous le montrer à l'envers, tant pis. J'ai fait un nœud, je sais pas comment, je l'ai collé sur la tâche que j'avais et j'ai rajouté une boule pour cacher que ben, je suis nulle dans les nœuds. Voilà, donc je vais laisser sécher tout ça comme il faut. Je vous la montrerai quand je l'aurai installé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.